Salut. Wesh. Ça va, Malik? Oh, c'est quoi ce petit truc là? C'est mon GPS. D'accord. Tu vois, je vais poser des graines. J'espère qu'elle va les manger, tu vois. C'est du bon, c'est du bon. Je mets là-dessous. Voilà, tu vois. Ici, là. Ouais, ben, tu vois, en fait, pour le réparer, il faudrait changer ça. Il faut décoller ici. Tu vois, ici, là. Tu vois, tu décolles là. Il faut décoller ça, tu l'enlèves et tu changes cette partie. C'est cette partie qui a morflé. Ok. Et tu vois, ici, tu dessoudes là. Ici, là, tu vois, ici. Ici tu dessoudes là, cette nappe, là, qui est ici. Il faut enlever cette nappe et ressouder, donc, ici, et changer toute cette partie-là. Okay. C'est cette partie qui ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, ça c'est un système soit à variation de capacité, soit à toucher par résistance. Tu vois, quand tu touches, tu crées une résistance, et cette résistance, ça, tu sais, avec un phénomène en croix, ou alors c'est un système à condensateur capacité, à variation de capacité. Et donc c'est ça qui déconne en fait. Le plastique, il a vieilli, il a mal vieilli, et ça fait que ça déconne. Ok. Voilà. Et donc ton matériel pour dessouder ça, le ressouder, c'est quoi? Ah, avec ça. Avec ce genre de truc ici. Ah, donc avec ça, donc. Enfin. Mais bon, là, c'est mort. Non, mais c'est bon, lui. Fume pas là. Et c'est pour ça que le BEP et le CAP, c'est des trucs de gens qui... C'est quoi? C'est des gens qui font leur vie, tu vois, comme des farcines, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi? C'est des mecs qui n'ont rien fait, ils font rien, frère. Moi, ça va, c'est ma tête en mer, c'est la vérité. Je fume là ou quoi?